Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, hop, comme d'hab, enfin aujourd'hui, pour vous c'est aujourd'hui, pour moi c'est 5 minutes après ma dernière vidéo que j'ai fait à la chaîne. Donc, on va se taper les monsters. Les monsters, c'est quoi? Vous allez voir tout simplement toute la gamme monster, de l'attribut au friendship, en passant par l'évolution, finissant par la fusion, un truc comme ça. Non, mais c'est parti pour Game of Monsters Legendary Pokémon Legend. Et c'est parti. Alors, voilà, petite musique. Alors, pour ce faire, vous l'avez ici, les monsters, pour aller voir tous vos monstres. On peut aller soit là, soit là. Là, c'est pour la team. C'est-à-dire pour faire votre équipe. Si ça vous intéresse, c'est ici, parce que c'est la même chose. Hein. C'est juste que là, en fait, vous avez accès bah, juste à la team et quand vous cliquez à vos monstres. Alors, monster. Donc là, je suis avec mon compte au niveau, comme tout à l'heure. Alors. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut les réorganiser, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, du moins dans la vidéo d'introduction, par catégorie, du moins par type. Voilà, c'est général, fighting, flying, poisson, grand, rock, compagnie, voilà. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, je fais par rôle, comme ça, moi, je vois où j'en suis. Vous pouvez sélectionner, ou du moins les réorganiser par puissance. Vous pouvez les organiser par level. Vous pouvez organiser par friendship, par fusion ou tout simplement par défaut. Voilà, donc un perso à la con de base. J'aurais dû aller chercher un chenipan, ça aurait été plus simple. C'est pas grave, on va faire avec. On prend notre drac au feu. Bon, on va dire un drac au feu. Voilà, j'ai un drac au feu. Voilà, je dois avoir une capsule toy. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, on a toutes les aptitudes. Voilà, de l'HP à l'aspect défense, comme d'habitude. Après, en dessous, on a une barre d'attributs. Voilà. L'attribut qui nous permettra de maximiser notre passif, ou du moins notre P. On fait turn si on veut l'amplifier. Donc pour ce faire, c'est très simple. Voilà, ça brille et tout. Les éclairs, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pas ça chez moi. Moi, j'ai un truc de merde. C'est très simple. À la base, quand vous n'êtes pas évolué, vous avez un truc comme ça. Arrivé à un certain niveau, vous pourrez le faire. Je sais plus c'est combien, je crois que c'est niveau 20. Mais du coup, ce qui va vous permettre en fait d'avoir des attributs, c'est l'HP valeur, ainsi de suite. Vous pouvez les optimiser en utilisant des, hop là, des pierres d'attributs. Voilà, que vous gagnerez pendant la Monster League, ou dans des capsules toy, ou dans des niveaux d'aventure, vous en gagnez partout. Pour après, une fois que c'est fait, que vous avez votre perso, vous dites ouais, j'ai envie de griller mes pierres d'attributs, etc. De toute façon, le jeu vous l'expliquera au fur et à mesure. En anglais, moi je vous l'explique en français. Vous pouvez les utiliser pour évoluer vos trucs ou les régresser si vous n'avez pas de chance. Voilà. Donc vous utilisez telle pierre, tel nombre de pierres. Donc là, ça m'en coûte une, mais je fais un reroll sur toutes mes spé. Si j'ai envie de les bloquer, c'est très simple. Juste à cliquer sur cadenas. Très très simple. Mais. Après, malheureusement, ça va me coûter plus de pierres. Voilà, en fonction de combien vous en bloquez. Vous pouvez bloquer jusqu'à l'avant-dernier, hein, parce que si vous bloquez le dernier, il va dire « Vous ne pouvez rien faire !» Oui, pauvre con, on ne peut rien faire. Donc ça ne sert strictement à rien. Mais par contre, plus ça va aller, plus ça va me coûter. Genre déjà, hein, si j'en bloque 4, ça me coûte 11 pierres sur 8. Ou du moins 8 pierres sur 11. Si j'en bloque 6... 2, 4, non, si j'en bloque 5, ça va me coûter 12 pierres. Sachant que j'en ai que 11, il va me demander une compensation de diamants. Voilà, que j'en aille une ou j'en aille au taquet, ça me coûtera 600 diamants. Donc, à voir hein, si vous en avez besoin ou pas. Si vous en avez besoin, allez les chercher, ça ira plus vite. Ensuite, hop, on va prendre notre truc. Une fois que vous avez eu du bol et vous avez maxé 80% de votre barre, vous pouvez l'amplifier. Donc avec soit des diamants, soit avec des cartes max. Voilà, pour le côté un peu attribut. Après, donc du coup. Ah, ta gueule toi. Vous pouvez aussi avoir un passif. Le passif, c'est de base. Mais vous pouvez aussi le faire un reroll. Voilà. Ça vous coûtera des cartes de reroll, en fait, de passif. Donc là, en gros, vous avez des notes. B, S, C, A, C, A, B, S, B, S. C'est-à-dire qu'en gros, là, je peux avoir un passif entre C et A. Donc, c'est-à-dire, ça, je peux. Voilà. Donc, j'aurai minimum un C et j'aurai maximum un A. Je n'aurai jamais un S. C'est-à-dire, en gros, genre ça, je pourrais avoir le Dragon Whisper 2 maximum. Je pourrais pas avoir le Dragon Whisper 3.
ici, si j'ai du bol, je pourrais avoir le Flame Body 3. Voilà. Là, je pourrais avoir le Blaze 2 maximum. Minimum, j'aurai le Damage Blaze 1 là. Et donc, du coup, ça vous coûte ceci. Là, vous pouvez avoir de A à SS. Donc, je pense que vous avez plus de chances de vous taper un bon truc SS. Tu vois, c'est un truc néo-nazi. C'est... Voilà, c'est Hitler et compagnie. Voilà, petite blague de merde. Hein. Je vais me faire repartir la gueule, mais c'est pas grave. Alors, du coup, là, vous avez, je pense que vous avez plus de chances d'avoir un S. C'est-à-dire, vaut mieux le maxer dans des trucs comme ça. Voilà, de toute façon, il va le faire automatiquement. Il va vous sélectionner tout ce qu'il y a en S, là, au maximum, et il va vous les choper. Donc, à voir en fonction de vos attributs. Vous pouvez avoir des passifs que vous n'avez pas. C'est-à-dire, en gros, si je prends lui, j'ai une rock armure, voilà, que je n'ai pas là-dedans. Parce que je l'ai eu, en fait, j'ai capturé mon racaillou avec ce passif-là. Si vous avez vraiment du bol, vous la tapez en rock armure 3. Je vous conseille de bien farmer, ou d'avoir un minimum de grosses chances. Parce que ce passif-là est très très bien pour les tanks. Ça vous donne un bouclier qui prend donc à la fin 15% de vos HP. Si j'ai pas de bêtises. Ou 20%, je sais plus. Là, il est en 10%, il est en armure. Après, ensuite, vous avez l'amitié. Comme on a vu au début de l'introduction. L'amitié, ça vous coûte donc des items pour augmenter l'amitié. Par palier, en gros, niveau 10, vous avez un premier palier qui vous demandera des colichés de base. Hein, les colichés gris, hein. Truc à la normale, là, genre ça. Au palier 20, donc vous aurez besoin de ça, d'autres colichés. Et au niveau 30, vous aurez besoin encore d'autres colichés. Qui doit être, je ne sais où. Bon, au pire des cas, je dois les avoir dans mon bag. En gros, ça vous demandera cela. Je reviens en arrière, je vais dans mon bag. C'est cela que ça vous demandera. Voilà, des colichés comme ceci. Ces colichés-là, on le trouve dans le mode élite, dans le mode aventure, section élite. On ne les trouve nulle part ailleurs. Voilà. Et sachant que par rapport au mode aventure, dans la section normale, on n'a aucune limite, voilà, de passage. En mode élite, on a toujours 3 passages maximum. Sinon, ça vous coûte des diamants. Ça vous coûte 50 diamants pour récupérer les 3 passages. Voilà, une fois que c'est fait. Ah non, pas capsule toy. Monster, renom dans le monster. Les skills, comme d'habitude, hein, ce qui vous permettra d'augmenter votre puissance de dégâts. Voilà, au début, hein, ça coûte que dalle, hein, ça coûte 200. Maintenant, moi, ça me coûte 40 000 hein, par skill. Hein. C'est-à-dire que si je prends un niveau, il faut que je fasse évoluer mes trucs. Hein. Donc, 5 x 4, 20, ça me coûte 200 000 pour tout mettre. Au niveau des skills, vous aurez toujours un ulti, 3 skills normales et un passif. Donc, pour Dracofeu, son passif, c'est un nombre suffisant par point d'attaque. Voilà. Donc là, accessoirement, niveau 64, c'est 1152 points d'attaque, SP attaque en plus. Donc ça fait 1152 plus de dégâts, et ainsi de suite, quand on évolue. Après, on a les gears. Les gears, c'est des items qu'on trouve, pareil, que dans le mode élite. Les gears, en gros, ça vous permet donc de maxer votre bestiole avec un passif, et plus un passif d'attaque, et un passif sur toutes ses SP. Dans le sens... Un truc niveau 1, voilà, receive, non pas receive, ça c'est juste pour voir où est-ce qu'on les a. Un truc niveau 1, de toute façon c'est tous les mêmes, on va prendre un truc de base, hein, genre ça, voilà, bon ça je connais. Donc niveau 1, ça vous permettra d'avoir 140 HP, 32 SP attaque et ainsi de suite, 5 de speed, 17 points de défense, voilà. Et ce sera attribué pour les dragons, les flying type et les dark type. C'est-à-dire, en gros, vous aurez 10% de skill power pour ces 3 classes au niveau de vos skills. C'est-à-dire, si vous prenez un bestiau qui a aucun skill dragon, flying ou dark, ça ne sert à rien de lui mettre ce truc. Hein. Il prendra juste ce truc-là, mais le reste, il n'a rien à foutre. Hein. Mais vous avez aussi des gears qui auront aucune classe, ou du moins aucun élément. Voilà. Genre ceci, par exemple. Ceci, ça vous donne juste 4% de HP max. Mais ça va sur n'importe quel type. Hein. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dragon, un flying ou ce que vous voulez. Hein. Donc, une fois que vous avez genre un item comme ça, admettons, j'en ai un. Puis j'en ai un deuxième, qu'est-ce que je peux faire? Ah bah, je peux les fusionner. Je les fusionne, c'est-à-dire que j'aurai un plus un. Voilà.
Donc avec 2 normales, on a 1 plus 1. Avec 2 plus 1, on a 1 plus 2. Et ainsi de suite, jusqu'à plus 9. C'est-à-dire que si vous calculez bien, plus 9, vous aurez 25% de skill power pour tous les types. Plus 7150 HP, plus 1590 SP attaque, et ainsi de suite. Et c'est décuplé. Et là, ça fait très très mal. Et ça vous augmente énormément votre power. Voilà pour les skills. Voilà. Et moi, je vous conseille tous les jours de farmer, si vous en avez besoin en priorité, votre énergie sur les skills, sur les gears en fait. On va finir pour les gears, tant qu'on y est, dans le mode élite. Pour avoir un gear, c'est très simple. Il suffit d'avoir un niveau avec ceci comme icône. Voilà, c'est ce petit icône là qui vous permettra d'avoir un gear à tous les coups, à 100% de chance de choper un gear. Voilà. Dès que vous vous levez le matin, vous jouez au jeu, vous faites les gears, tous les gears que vous avez dans le mode élite, comme ça vous êtes tranquille. Comme ça vous n'avez plus besoin de griller votre vitalité. Et vous savez où vous voulez mettre après votre vitalité, si vous voulez faire du friendship, si vous voulez faire tel truc, tel truc, tel truc. Pour le friendship aussi, ce qui est pas mal, si on se dit ouais machin, où est-ce que je trouve ça, où est-ce que je trouve ça, où est-ce que je trouve ça, vous avez juste à cliquer dessus. Voilà, il vous dit où est-ce que vous l'avez. Si vous n'avez pas encore débloqué le niveau, il y a marqué Locked. Si vous avez débloqué le niveau, bah vous cliquez dessus et vous amène directement. Parce que vous savez que vous avez besoin de ça. Voilà. Ensuite, ça et ça, on peut les avoir que dans les capsules Toy ou dans le store. Voilà, il y a juste à cliquer sur le store et vous amènera vers le store. Mais on y reviendra sur une prochaine vidéo pour le store. Le training, ce qui permet de faire de la fusion. De la fusion, c'est quoi? Ça permettra d'évoluer aussi votre personnage. Voilà, ou du moins votre Pokémon. Soit vous avez deux solutions. Soit vous achetez, ou du moins vous récupérez des cartes fusion que vous aurez dans le Safari. Voilà. Que je vous mettrai un petit lien vers le Safari. Soit vous l'avez dans le Monster Mist. Voilà. C'est vous capturez des monstres et ensuite vous éliminez des monstres. Vous en débarrassez, vous les foutez à la poubelle juste pour augmenter votre fusion. Une carte de fusion, c'est 20 points. Un Pokémon, ça dépend son évolution. S'il est niveau 1, s'il évolue au niveau 1, s'il évolue au niveau 2, s'il évolue au niveau 3, voilà, au niveau final, ça sera pas les mêmes nombres de points. Genre un truc qui vaut ça, ça vaut 40 points. Sa pré-évolution, ça valait 20 points, ou un truc comme ça. Sa future évolution vaudra 80 points, voilà, de fusion. Après, donc du coup, on a aussi, au niveau d'ici, les skills. On a le skill passif, c'est des items qu'on a, donc avec des disques qu'on ouvre, voilà, que vous gagnerez, et que vous avez juste à les user pour vous donner un passif. Au début, vous avez 100% de chance d'avoir 3 cases. Donc du coup, vous pouvez mettre vos skills passifs, comme ça. Arrivé à ici, juste 2, 4, 5, les 5 prochaines cases, c'est un coup de chance en fait. Soit vous pouvez donc bloquer un des skills que vous avez pour 100 diamants, si je dis pas de bêtises. Comme ça, quand vous allez mettre l'autre, bah lui, bah, il sera à court sur sécurisé, parce que c'est un niveau 2. Si vous avez 2 niveaux 1 ou un niveau 3 et 2 niveaux 1, vous en foutez des autres. Et bah vous jouez à la chance. Soit lui il va dégager, il va prendre sa place. Soit lui il va dégager, il va prendre sa place. Soit vous avez de la chance, comme pas deux. Et hop, il va aller sur une autre case. Quand vous en avez 4, vous pouvez bloquer 2 skills. Quand vous en avez 5, je ne sais pas. Comme ça c'est fait. Et après, donc au niveau des gears, on a aussi des accessoires. Ça se débloque par la suite aussi. Les accessoires, il y a le même système que le training. C'est-à-dire on peut utiliser des pièces, oui, parce que ça vous coûte des pièces aussi, le training là. Ça vous coûte des pièces, hein. La preuve, 5000 pièces, hein. C'est genre 2000 ou 3000 pièces par 20 points, par section de 20 points, donc ça coûte cher. Les accessoires, c'est des accessoires qu'on peut équiper avec un passif, voilà, point d'attaque plus point d'attaque, hein. Et ça par contre on peut les avoir, donc du coup du moins on peut les acheter tout simplement, on clique ici. On va dans Exchange et on peut les acheter ici. Les pièces que vous avez là, c'est des pièces que vous récupérez sur le World Series. Voilà. Et après, vous avez soit le choix d'acheter des pièces donc d'un certain niveau. Donc si votre bestio il est pas niveau 45, ça sert à rien de lui mettre ça, hein, ça passera pas. Et après, vous avez des pièces plus rares, donc avec des meilleurs attributs. Là, il y a 3 attributs minimum. Avec l'autre, c'est un peu différent. Après, pareil pour les accessoires, on peut aussi donc soit les évoluer, voilà, soit les mettre, soit faire un système d'évolution, soit faire un système de je me débarrasse de 5 pièces et j'en ai une un peu mieux.
Voilà. Et ça aussi, ça vous coûte des sous. Et puis voilà, il vole où. Et après, pour l'évolution, cette fois-ci. Voilà, c'est training, il y a fusion ou attribut. Là, on revient sur le début. Et l'évolution, ça vous coûtera certaines recommandations. Pour un truc tout court. Genre là, pour avoir un méga drac au feu, il me faudra avoir le level 30 minimum. Une 30 des frais de chip. Et des pierres de méga évolution stone. Des méga evolution stone, des pierres de méga évolution. Ces pierres là, on les a dans le world boss en fait. Tous les jours, vous avez un world boss à taper à partir de 14h. En fonction de votre classement et du nombre de dégâts que vous avez fait à l'ennemi, ou du moins au world boss, voilà, vous prenez votre plus gros style pour lui éclater la tête. Vous avez donc un classement, et donc d'après ce classement, donc vous recevez deux pierres, donc de méga evolve, ou une pierre, ça dépend où vous êtes placé, plus des points, voilà, de la monnaie, voilà, de la monnaie d'échange pour le guild store, ou du moins pour le store world boss. Voilà pour l'évolution et tout le monster. Pour certains animaux, ou du moins certains Pokémon, il y a d'autres conditions. Alors, admettons, il vous faudra des cartes comme ceci que vous trouvez aussi soit dans le monster dans le safari, pas dans le monster machin, dans le safari, soit vous en récupérez sur le world boss, soit vous les avez dans les niveaux, c'est à dire en gros dans les niveaux élite ou normal, vous pouvez en récupérer des cartes comme ça. Voilà, vous pouvez en récupérer un peu partout, mais principalement c'est dans le safari, voilà, ou dans l'arena store, ou le store normal, je crois. Voilà, on en récupère un peu partout, donc c'est pas trop gênant. Et faut avoir un minimum de friendship et de level, comme d'hab. Voilà pour cette vidéo là sur les monstres, leur évolution, etc, etc, etc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, commenter les vidéos. Et puis moi, je vous dis un prochain stream ou une prochaine vidéo, voilà, sur Pokéland, Monster Legend, sur les tutoriels, ou Game of the Monster Legend, d'arrive. Voilà. Sur ce, gros bisous à tous, et puis passez une bonne nuit, bonne soirée, ce que vous voulez, quand vous voulez. Ciao, ciao, salut, salut.